J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Ouais, jeudi 12, 11. 11. T'es sûr? Oui, jeudi 11. Jeudi 11 février, il est 13h. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué parce que d'une, déjà, on a toutes les filles à la maison. Enfin, toutes. Non, on n'a pas Raphaël. Raphaël est parti 15 jours chez sa maman. Mais pour le coup, on a récupéré 15 jours Roman et Gabriel. Voilà, oui. Bon, Gabriel va peut-être pas rester 15 jours. Gabriel, c'est un peu au jour le jour. En fait, elle a décidé de revenir à la maison. Donc, Mathieu a accepté. Et moi aussi, mais Mathieu d'abord, voilà. Oui, Mathieu a accepté, on a pu discuter avec elle, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. On lui a dit, tu restes autant quand de temps veux, que tu as envie. Mmh. Par contre, du moment où tu sens que ça déborde émotionnellement parlant. Voilà. Qu'elle sent que ça va plus et qu'elle est à la limite de la dispute avec moi ou avec Mathieu, hop, elle nous le dit et nous on la ramène pour éviter le conflit. Mais il faut dire qu'elle est là depuis vendredi. Ouais. Et depuis vendredi, ça se passe parfaitement bien et je dirais même mieux que jamais. Oui. On est d'accord oui, que franchement, nickel, j'ai absolument rien à lui dire, Mathieu non plus. Elle donne un coup de main, elle est calme à la maison. Quand elle a besoin d'avoir un moment pour elle, elle le prend. Enfin voilà, franchement, on n'a rien à dire. Mmh. Donc du coup. C'est aussi pour ça que je n'ai pas vlogué, parce que bah, d'une, j'ai profité de Gabriel, que je n'avais pas vu depuis un petit moment. J'ai profité de Roman, parce que Roman est à la maison et que j'aime bien quand elle est à la maison. Et en plus, Mathieu a travaillé lundi, mardi, et donc j'étais toute seule avec toutes les filles et je n'avais pas une minute pour moi. Donc du coup, je n'ai pas vlogué. Voilà, tout simplement. J'ai aussi pas vlogué parce que, pour ne rien vous cacher, on s'est fait une petite fausse joie avec Mathieu, puisque j'ai un retard de règles. Oui. Voilà. Mais qui se révèle que ce n'est pas une grossesse, puisque j'ai fait en tout 3 tests de grossesse et les 3 sont négatifs et pourtant je les ai fait à différents moments. Je ne les ai pas fait à un jour d'intervalle, j'ai attendu une semaine et puis voilà. Bref, les 3 sont négatifs, mais j'ai quand même un retard de règles et j'ai des douleurs, genre coup d'électricité au niveau du bas-ventre qui me font très mal. Je me tape des migraines parfois, des étourdissements. Bref, j'ai une petite santé, voilà. On va pas se le cacher. Donc du coup, je n'avais clairement pas l'envie, ni le courage, ni la force, ni ce que vous voulez de oui, vloguer. Parce que l'envie, si tu l'avais, tu me le disais, mais c'était plutôt le courage de... Ouais, des fois, je suis vraiment pas bien. De toute façon, ça se voit à mes cernes. En plus de tout ça, je fais des insomnies. Bref, il n'y a rien qui va. Donc du coup, on a quand même pris rendez-vous pour moi au gynécologue. Enfin, une sage-femme, parce que chez nous, on n'a pas de gynécologue. Voilà, non. Donc une sage-femme. Donc malheureusement pour moi, je n'ai rendez-vous qu'au mois de mars. Donc j'ai le temps... J'ai le temps d'attendre, voilà. Mais les rendez-vous médicaux sont pris et j'espère que ce n'est rien de grave. Mais voilà pourquoi je n'ai pas vlogué entre les filles et ma petite santé. C'était pas évident. Voilà. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai dit à Mathieu, je fais quoi? Je vlogue? Je vlogue pas? Il m'a dit, allez hop, tu vlogues. Donc voilà, j'écoute le chef et je vlogue. Voilà. Donc du coup, ces derniers jours, malgré que je n'étais pas bien, on a quand même bien avancé dans la chambre de Roman et Raphaël. Oui, oui. Et donc du coup, on va pouvoir vous montrer ça. Mais on n'est pas peu fiers du résultat. C'est quand vrai, même. C'est vrai. Donc c'est parti, je vous montre ça. Donc déjà, il faut savoir qu'ils ont chacune leur lit. Ça y est, c'est fait. On est trop contents. À Roman, je lui ai mis des LED. Bon là, ça ressort un peu violet, j'ai envie de dire. Mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, c'est bleu. Bleu comme ça, voilà. Mais le LED est bleu, mais là, je sais pas, il ressort pas normal. Et Mathieu a presque fini toute la palissade là qui sépare. Il en manque des petits bouts là-haut. Que tu vas finir cet après-midi, du coup, voilà. Mais il a presque fini, donc ça, c'est cool. Et niveau déco, j'ai un peu peaufiné aussi du côté de Roman. On lui a acheté cette petite enceinte-là pour que la demoiselle-là puisse avoir de la musique. Et elle a commencé à ramener un petit peu de sa déco Pokémon. Et donc, du coup, j'ai mis du lierre. Et ce lierre-là, je vais en racheter à Action pour pouvoir le mettre sur la palissade là pour vraiment faire une belle séparation. Mais franchement, ça commence à bien donner. Bon là, c'est le côté de Raphaël, je vous le montre pas. On a juste tourné le bureau et la commode parce que bah du coup avec le lit ça passait plus, voilà. Donc du coup on a juste tourné, mais sinon son coin est sensiblement fait aussi, puisqu'elle avait déjà tous ses attrape-rêves, ses étagères où il en manque une puisqu'il y en a une qui est cassée qu'il faut que Mathieu répare. Mais il y a tous ses attrape-rêves et puis vous voyez plus, et puis son étagère là et tout ça, voilà, tout ça c'est fait. Et du coup le petit coin Roman commence à bien prendre forme aussi, et ça c'est cool. Donc ça c'est tout ce qu'on a fait depuis, on a commencé lundi.
Non, on a commencé dimanche. Dimanche, oui. Dimanche, Mathieu, il a commencé à faire la palissade du milieu, là. Et il l'a fini hier. Bon, il nous manque 3 tasseaux. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vendu par botte de 6, hein. Un paquet de 6. Donc, du coup, il en manque 3. Donc, on va aller le chercher cet après-midi. Comme ça, ça sera fini. Et après, ça sera plus que de la petite déco, des petits trucs comme ça. Rien de dramatique, mais je suis contente, ça a plutôt bien avancé et ça, c'est cool. Voilà. Donc, là, comme il est déjà 13h, et nous, vous allez me demander peut-être, oui, pourquoi tout le monde ça se fait? On est jeudi, t'as les filles. N'oubliez pas que nous sommes en zone A, je crois. Oui, c'est ça, en zone A, et nous sommes déjà en vacances. Donc, c'est pour ça qu'on a les filles. Voilà. Donc, du coup, là, il est 13h. Donc, on va préparer à manger parce que, comme c'est les vacances, bon, on prend un peu notre temps. Voilà. Donc, on va préparer à manger et puis après, tout le monde ira se laver, faire sa douche, etc. pour que cet après-midi, on puisse aller du coup au magasin de bricolage, ouais, pour Mathieu, pour aller chercher ce qu'il faut. Et il faut qu'on aille à Action parce que Gabrielle a demandé à papa. Mmh. Elle arrête pas de lui demander d'aller à Action. Mmh. Franchement, depuis vendredi, combien de fois on y a été? Au moins 3 fois. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va y aller cet après. Quoi? La première, c'était pas la faute de Gabi. La deuxième, c'était la faute de Gabi. La troisième, c'est Gabi. D'accord, ok. Bref, donc du coup, cet après-midi, on a ça à faire. Et autre chose, tu m'as dit. Oui, mais je sais plus. Je sais plus. Enfin, bref, on a 2-3 petites choses à faire en sortie. Donc, on fera ça tout à l'heure. Donc, c'est pareil, ne me mettez pas dans les commentaires. Comment ça se fait qu'on voit pas Raphaël est parti, je le redis, pendant 15 jours chez sa maman de son choix. Et vous le savez que nous, par exemple, Roman nous a dit je veux venir 15 jours, bah tu viens 15 jours. Raphaël nous dit je veux partir pendant 15 jours, bah je pars pendant 15 jours. Gabriel nous a dit je veux venir à la maison, bah tu viens à la maison. Voilà, nous c'est un peu comme ils veulent. Voilà, donc ne me demandez pas pourquoi je ne la filme pas ou pourquoi vous ne la voyez pas. C'est tout simplement qu'elle n'est pas là. Voilà, bon. On mange? Oui, je m'occupe de Roxane et on mange. Tu sais que j'ai plein de poussière là sur ma caméra avec toute la sueur que t'as fait. Marie, je vois pas de quoi tu parles. Marie, oui. Tu vas être contente. On mange paella. Oh. On mange paella. J'ai déjà pas envie de manger, mais alors là, je veux de la paella, j'ai encore moins envie. Il reste de la salade. Quelle heure se fait-il? 15h30. Et on commence à bouger. On voit qu'on est en vacances quand même. Hein. Du coup, on va où en premier? Peu importe. Bah, il faut aller chercher le colis, il faut aller au truc Action. De bricolage et Action. On va peut-être commencer par la civette. Le colis, et ouais. Après, c'est quoi sur la route? Action. Action, et après bricolage alors. Ouais. Non, non, ça va. Ouais, ça va. Mmh. Bon, allez, c'est parti, on y go. Alors que tu t'es levé tard, t'as fait la sieste pendant que j'ai fait ma douche. On voit que c'est les vacances, c'est tout. Et les amis. On a fait des Sims, ils ressemblent trop à la famille, c'est trop beau. Ils s'amusent à nous créer. Je signale qu'elle a créé un bonhomme sans cheveux, hein. Ouais, bah, avec des tatouages sur les bras, comme toi. Avec un petit ventre aussi. Non, c'est moi qui ai demandé qu'elle me fasse un petit ventre. Non, mais moi, je sais qu'elle a t'as fait un ventre. Bon, allez, on est parti. Bon, colis récupéré, je suis trop contente les amis, regardez. C'est le pull de Ron, enfin le R de Ron, Weasley, dans Harry Potter. Pour ceux qui connaissent, voilà. Du coup, il y a même l'étiquette à l'intérieur où c'est écrit Ron Weasley ici. Et il est trop beau, je suis trop contente. À savoir que je l'ai eu sur Vinted. Il faut qu'on arrête avec Vinted. Ce serait bien, oui. Mais oui, mais il y a des trop jolies choses. C'est pareil aujourd'hui. J'ai un t-shirt, regardez. Harry Potter avec les lunettes et tout. Il est écrit Harry Potter. Je suis trop contente. Mathieu, il en a marre. Bon, ça c'est fait. Du coup, là on va à Action Est. Ouais. Allez, c'est parti, on va à Action. On va encore dépenser des sous. Oh non, il n'y a que Gabriel. Non, je t'ai dit, fallait que j'achète le lierre pour la déco des filles. Oh, ça va, 79 centimes. Oui, mais il faut 2 paquets au moins. Oh, bah 1,50€. Regarde toute ma famille, ils sont trop choux. Ouais. C'est des petites lumières à mettre dans le jardin. Ouais, c'est ça. Les yeux, ils doivent s'allumer, je pense. Oh, oui, t'as vu tout ce que notre famille est hyper nombreuse, moi je trouve. Hein. Ouais.
Ouais. Tu vois pas, regarde tout ce qu'il y a là, là. Ah, regarde, ses yeux, ils se sont allumés. Oh, c'est celui que j'ai allumé. T'as vu, c'est rigolo. Ah. Ça fait un peu peur quand même. Non. T'as envie de devenir écolo? T'as envie de devenir écolo? Tu veux voir? Moi j'aime bien. Hein. Bon, nous on se sert. Aïe! On se sert pas de paille à la maison. Non, mais sinon, Monsieur Hibou, l'écolo. Non, mais t'as plus besoin de l'aide, hein. Ça y est, hein, je les ai achetés déjà. En plus, il y en a plus. Regarde, il y en a plus. Non, c'est pas ceux-là que je t'ai acheté. Bah, c'est des LED, mais c'est pas ceux-là que j'ai pris. C'est ceux-là à côté, ouais. Par contre, ils ont baissé le prix, hein. Ah, bah, normal, on les a... Bah oui, maintenant qu'on les a achetés. 23 euros, bah oui. Ouais. Ouais. Et ouais. Mais ouais, maintenant, t'as tes LED, t'es contente. Qui avait raison, monsieur Hibou? De quoi? Tu vois, il y a bien des ceintures. Alors, tu m'as dit que la tienne a été cassée. Non, elle peut encore faire un peu. Ouais, d'accord. Regarde, oh, après, je sais pas si celles-là, elles sont vraiment bien. Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ah, d'accord. Bah, c'est pratique pour mettre tes petits sous. Oui, mais... Par contre, ils font des belles montres. Hein. Bon, ça doit être un peu de la gnognotte, mais celle-là, là, je la trouve trop belle. C'est vrai, hein, ils sont jolis les montres. Regarde là, celle-là, elle ressemble un peu aux tiennes, hein. Quand même. Ils sont sympas. Bon, ils sont un peu chers quand même. Hein. 7,69, moi je trouve ça cher. Tu fais coucou à qui, mon bébé? Coucou. Hop là. Hop là. Bon, action terminée. On nous fait un petit tour tranquille, quoi. Hein? Non, oui, oui, petit tour, oui. Petit... Mmh. Bon, ça va, j'ai acheté que le lierre et mon bas de pyjama. Voilà. Un petit tour. Voilà. On a fait tout le tour du magasin, mais on a pris notre temps, mais voilà, on n'a pas non plus explosé la carte. Non, 20 euros, ça va. Bon, non, ça va, oui. Du coup, la direction, l'entrepôt du bricolage. Ouais. Pour aller chercher les derniers tasseaux. Là, ouais. C'est les bons cette fois. Ouais. Tu les finis ce soir ou pas? Ouais. Comme ça, ce sera tranquille. Même si on mange pas à 19h, c'est pas grave. On est pas pressé. En plus, on a rien à la télé ce soir. Donc, Bon, mais là, le temps que je vais chercher, on va dire qu'après, on rentre au bout de 17h. Ouais. En une heure, je pense que j'ai calé le truc. Hein. Ouais, c'est ça. Au moins, ça sera fini, quoi. C'est ça. Tranquille. Exactement. Puis après, on pourra s'attaquer à la caravane qu'on a lâchement abandonnée ces derniers temps. Il fait tellement froid qu'on n'est pas dedans. J'espère que ça va se réchauffer rapidement. Parce que là... Oui. Oui, on a acheté des piles, ouais. Bon, allez, direction le magasin. Tu crois qu'un jour, on pourra se balader sans masque? Bah, peut-être un jour. Ça sera la nouvelle génération, ouais, franchement. J'en ai marre de porter ça. Ça me saoule. Bon, ça va, quand moi je souris, on voit mes petits yeux, ils sourient. Mais c'est vrai, regarde. Toi, rigole, tu vois. Non, tu vois, toi, on voit pas. Moi, on voit. Bonjour, magasin. Allez, tu vas chercher tes tasseaux. Oh, on ne voit plus. J'essaye, moi, on voit. Ah non, mais là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Mais quand nous on traîne à Action, tu râles et là tu me dis on va en plomberie. Oui, mais c'est pas pareil. Oh non, trop nul. C'est pas pareil. Roman, t'es d'accord avec papa toi? Oui. Pas pour faire ma chambre. Un grosse faillotte. Oh là là. C'est malin, c'est malin. Allez, ah 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 la queue le le. Tout le monde s'éclate. Allez, allez, tu suis pas là. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, ça, c'est pour la caravane. Oui, en fait, je regarde. Ah, tu voulais voir le prix des trucs comme ça? Non, je veux juste, en fait, voir le système complet, voir comment ça marche, parce que j'ai un doute sur ce que j'ai. Ah, d'accord. Tu sais que... Tu sais qu'à force, tu vides le stock, là. Ouais, c'est ça qui est marrant. Tu les prends individuels, du coup? Bon, nous, on a eu notre magasin, puis là, c'est Monsieur Hibou qui est dans son élément, là. Ouais. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Avec Roxane qui court, là. Bébé. Roxane, on fait la course. Bah, c'est pas grave, tu pourras me faire mes cœurs, là, comme on a vu dans L'Amour et dans le Pré. Oui, mais il faut plusieurs essences. Bah oui, je sais. Allez, on y va. On y va, les filles.
Vas-y, cours. On a fini. Ah bah, cache ta joie, mon chat. J'étais en train de réfléchir. Non, on va rentrer. En plus, il fait carrément froid là dehors. En plus, moi, je suis partie en t-shirt en dessous de ma veste, là, pensant qu'il faisait froid, mais pas un froid qui pique. Ah ouais. Et en fait, là, il fait un froid qui pique. J'ai le pantalon, j'ai le pull, j'ai le t-shirt. Ouais, je suis partie sans écharpe, sans rien. Bon, en même temps, mon écharpe, c'est Gabi qui l'a. C'est bon, on va rentrer et puis on prend le goûter du coup en rentrant. Ouais, ouais, ouais. Et puis après tu feras du bricolage et du coup faut que t'expliques un petit peu aux abonnés comment t'as fait la cloison parce que une petite abonnée qui m'a demandé tes astuces bricolage pour faire la cloison. Ouais. Donc il faudra que t'expliques. Ça marche. Pas de soucis. Attends, on est bleu. Ouais. C'est parce qu'on est dans la chambre des filles. Enfin de Romane, je dis parce qu'il n'y a que Romane qui est là. Bon du coup, Mathieu, on est rentré, vous voyez, on est à la maison. Du coup, Mathieu, il va finir ça qui est derrière moi. Et donc du coup, il va vous expliquer un petit peu comment il a fait. Parce que comme je vous disais tout à l'heure sur Insta, une petite abonnée qui aurait voulu savoir, et je pense que c'est pas la seule sur 2000 et quelques, je pense qu'il y en a plein qui voudraient savoir comment Mathieu a construit ça de ses propres mains. À savoir que cette chose, dans le magasin, nous on l'a vu avec Mathieu, et ça coûtait 400 et quelques, c'est ouais, ça, un truc comme ça 400 et quelques, et, ouais, et c'était la moitié de ça. Quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'on avait dit qu'il en faudrait deux. Ouais, il en fallait deux, alors que là, on en a eu pour quoi ? Allez. Ça c'était 20 le ouais, bas ouais. Et là t'en as eu pour ouais on a eu pour 40 euros ouais 40 euros je dirais toute allez, la on va dire 50. Ouais allez on laisse une grosse marge pour le bois et ça la palissade là il y en a eu pour une cinquantaine d'euros ce qui est une grosse économie mais c'est vrai qu'il faut avoir des petites mains bricoleurs et bricoleuses oui, pour faire ça il faut prendre son temps ouais il faut prendre son temps ça a pris trois bonnes journées ouais, en gros pour jours, ouais. pour tout faire je te laisse expliquer du coup. Oui, bah ça, en fait, c'est trois panneaux mélaminés collés, comme ils disent. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des planches. Ouais, c'est du, comme du bois, ouais. Voilà, donc il y en a trois. Un, deux, voilà, trois. Qui sont fixés par des équerres au mur. Là, en fait, Mathieu, il a mis ce genre d'équerre-là pour tenir ici. Et il y en a au sol aussi. Voilà. Donc, il y en a un, il y en a six. Deux, quatre, six. Ouais, il y en a six au sol et deux sur les murs, je crois. Ouais. Alors, moi, j'ai fait le choix de les mettre toutes du même côté, mais après, on aurait très bien pu faire ouais, en alternance, ouais. Mais nous, tout est comme tout ça. Tout du même côté, c'était plus simple. Voilà. Ouais. Après, de là, il y a un montant. Donc, il y a le même bois, hein. Il n'y a pas de différence de bois. Il y a un montant qui fixe l'ensemble des planches. Ouais. Clairement. Et après, au-dessus, alors il y a un montant qui est fixé au plafond. Qui est tout jusqu'à tout là-haut, ouais. Qui est jusqu'à tout là-haut. Et de l'autre côté, il est également fixé au plafond, mais en plus, il est fixé au mur, ce qui donne une solidité. Ah oui, c'est vrai. Mathieu, en fait, il a mis cette première barre d'abord, en premier, là, celle en bois, la toute première, là, que vous voyez. Et après, t'as mis celle-là ou celle-là ? Celle-là, il l'a posée comme ça et il l'a accrochée au plafond. Et celle-là, elle est fixée au mur, comme ça. Ouais. Et là-haut, en fait. C'est ça. Voilà. Et qui, après. Voilà, ce qui permet d'avoir une solidité. Et après, t'as mis celle de tout là-haut, là-haut, là-haut. Ça, c'est juste, j'ai envie de dire, presque de la décoration. Oui, voilà. En fait, en gros, vous faites une fenêtre au début. Ouais, c'est ça. Sans rien dedans. Mmh, tout simplement. Ça, et puis, après Bah, d'un côté, du coup, je fais. Je mets des chevilles. Enfin, des torillons. C'est pas des chevilles, c'est des torillons. Ça s'appelle en bois. Pour que le bois rentre dans l'autre. Voilà. Ouais. Pour que ce soit. Fixé, bah, de toute façon, tu vas en faire. Oui. Mathieu va en faire là-haut, il en reste 3 à mettre, donc ça, il va vous montrer comment il fait. Mais, Et puis après, je visse de ce côté-là. Ouais, après, tout est vissé par là, je peux vous montrer. En fait, de ce côté, on voit les petites vis là, vous voyez. Voilà. Rien de très compliqué, il faut juste avoir l'idée. Bah, puis la patience, quoi. Puis la patience, ouais. Parce que c'est sûr qu'on l'aurait acheté tout fait, il y en avait pour 2 heures, quoi. Ah oui, bah mais oui, c'est sûr. Voilà, mais bon, c'était pas le même prix. Au moins là, c'est fait. Voilà, voilà donc Mathieu va faire les 3 restants. Ouais. Et puis comme ça, il va vous montrer un petit peu comment il fait pour le fixer, ces petites choses-là. Voilà. Mmh. C'est parti ? C'est parti. Donc là, Mathieu est parti sortir les chiens. Après, il va couper les petits assauts de bois. Et moi, du coup, je vais installer ça que j'ai acheté à Action. En fait, c'est tout simplement ça que je vais venir caler déjà ceux du bas. Voilà, parce que là, Mathieu, il va pas me faire de poussière, puisque c'est déjà tout prêt, donc il va pas m'en refaire. Mais je vais essayer de voir ce que ça fait déjà tout en bas. Donc j'en ai acheté 3 paquets comme ça,
Donc on va voir, donc je vous dis ça, on trouve ça à Action. Franchement je trouve ça trop joli. En fait ça va faire un peu comme un mur végétal. Donc je vais essayer, on verra, ça se trouve ça va pas du tout me plaire et je vais virer ça. Mais vu que ce côté là Roman j'aime bien, j'ai essayé de le faire là. On va essayer, on va voir. Bon là t'as coupé à la dimension. Oui, j'ai coupé à la dimension. Et après? Et après j'ai fait un trou pour mettre le tout rayon. Ah pour mettre la cheville, voilà, en bois là. C'est ça. Donc là il fait un petit trou. Bah un gros en l'occurrence. Ouais, mais... allez vas-y. Voilà. Gros trou. Voilà. Plein de cendres par terre aussi du coup, enfin plein de bois. Fais voir le trou, vous voulez voir? Voilà, on a le trou dedans. Et ça, ça va nous être utile. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai fait un trou. Qu'est-ce que tu expliques bien? J'ai fait un trou. Arrête. T'as fait un trou. Voilà. Et donc après? Donc après, je mets ma cheville. En bois. En bois. Ok. Voilà, qui ira dans le trou que j'ai déjà fait dans les petites planches. Ah, d'accord. Voilà. Et donc là, tu mets un peu de colle. Oui, mais je vais pas mettre tout de suite parce qu'il faut que je prépare l'autre côté. Hein. Ah, d'accord. C'est pas évident pour moi hein, parce que là, j'ai la migraine quand même. Pour éviter la migraine, et t'es tout en haut. Attends, regarde. Ah, c'est gentil. Bon, on attend que tu mettes le bout de bois. Allez, frotte, Gabi, frotte. Fais ça bien. Elle enlève les écharpes pour ses petites sœurs, comme elle est mignonne. Je sais, je sais. Tu fais ça bien. Bon, tu sais que normalement, quand on bricole, on se met pas en jupette. Hein. Bah quand on bricole d'habitude on met pas une milliard, ça veut dire. Bah je bricole pas moi je filme mais je vous regarde. C'est encore mieux. Bah oui. Que faites-vous? Je fais, alors j'ai pris une petite mèche. Ouais. Pour faire fais voir la petite mèche. Ouais, d'accord. Pour faire un pré-trou. Ouais. Pour éviter d'éclater tout mon bois quand je mets ma vis. Ah vas-y, je te regarde faire. On dirait Valérie Damido. Ouais, tout à fait. Franchement, exceptionnel. Bah j'ai pas le souvenir. Attends, il m'envoie la visseuse dans la caméra. Allez, vas-y. Là, on fait un petit trou. Ah, de part en part en plus. Ah oui, parce que sinon la vis, ça passera pas. D'accord. Ok, petit trou. Petit trou, ouais. Donc, on est revenu de l'autre côté, là où on a mis la petite fille en bois. Le chef met un peu de colle. C'est de la glue, quoi. C'est de la colle à bois ou c'est de la glue? De la colle à bois. Enfin, ouais, c'est de la multi-usage, mais... Et tu mets dans le petit trou. Voilà. Tac. Et là c'est posé, et de l'autre côté du coup, bon là c'est pas droit évidemment, ah ouais, là-bas, Mathieu va visser de part en part. C'est ça. C'est ça? Oh t'es parti, t'es là. Oui je suis là. Et donc là, petite vis de part en part. Une petite astuce quand vous faites le bois, ça sert à rien d'y aller comme une brute. D'accord chef. En y allant tout doucement, et voilà, et donc la barre est mise. Voilà, et Mathieu a fait comme ça pour tout ce que vous voyez ici. Voilà, et là pour la prochaine, bah, il recommence ce qu'il vient de vous montrer. C'est ça, je fais pareil. Waouh, on a trop bien bossé avec Gabi. Regardez comme ça fait trop beau. On a mis les LED, ils sont verts. Bon, vous les voyez pas vraiment verts, mais bon, c'est vert, mais ça fait trop beau. Je crois qu'elle va être contente, non? Elle n'a pas encore vu Roman, on lui a gardé la surprise. Mais c'est trop joli, du coup, le lierre passe du côté à Roman, mais aussi du côté à Raphaël. Donc du coup, ça fait comme hyper ça, joli. Et on est trop contents. Encore ça te fait? Trop bien. Ouais, trop bien. Alors, contente? Contente. C'est trop joli, hein. Oui. Hey, on disait avec Gabi, franchement, en fond de vidéo, j'ai un beau fond de vidéo maintenant. Ouais. Je vais squatter ton lit tout le temps. Pour faire mes belles vidéos. Non, et puis en lit. Plus là les abonnés vous avez pas l'odeur mais ça sent. Ouais ça sent trop bon. Trop, trop bon. T'es contente? Oui. Bon maman. Bah tant mieux, oui. Et puis t'as pas la caméra ou pour le vlog où ça sent bon? La caméra pour le vlog où ça sent bon, j'ai pas compris. Non pour que les abonnés sentent. Ah non j'ai pas ils peuvent pas sentir. Non, ils peuvent pas. Mais en gros, j'ai mis de la fleur d'oranger et des huiles essentielles. De quoi? Il manque quoi? De quoi? Ah, on l'a enlevé parce qu'il est tombé pendant qu'on l'a fait, la déco. Faut que papa il répare. Bon, voilà, on est en fin de soirée. Bon, je suis désolée, j'ai la minerve, mais en fait, j'ai mal au crâne. Donc, du coup, quand j'ai mal à la tête avec Mathieu... Maintenant, il me dit, tu mets ta minerve, que ça me soulage quand même un petit peu, voilà.
Donc du coup j'ai la minière, je suis en pyjama, je suis démaquillée, enfin voilà quoi. C'est la fin de soirée. Voilà. C'est Mademoiselle Hibou. Ouais, c'est ça, c'est Mademoiselle Hibou. Donc du coup on a préparé à manger. Ce soir on mange des croque-monsieur. Donc on n'a plus qu'à les faire chauffer parce que nous on a l'appareil à croque-monsieur. Donc quand c'est comme ça en fait on fait un peu à l'assiette. On en met deux dedans, on les donne aux filles, on en remet deux et puis on mange comme ça. Voilà. On va manger ça et puis après on va se poser chacun sur. Son petit truc, Mathieu va jouer, moi je vais jouer aux Sims, Gabi aussi, puisque Mathieu lui a acheté les Sims, du coup pour son Noël, oui c'est ça, pour son Noël, vu qu'on ne lui avait pas encore pu lui offrir son cadeau, bah du coup Mathieu lui a acheté les Sims, vu qu'elle le voulait, c'est chose faite. C'est ça. Donc du coup elle va jouer, moi je vais jouer de mon côté, et puis Romane je pense qu'elle va regarder Pokémon sur Netflix, Sarah je sais pas, joue avec Gabriel souvent, enfin voilà, bref, ça va être une petite soirée tranquille, mais avant tout ça on va aller manger. Déjà, et je vais aller prendre un Doliprane pour essayer de ne pas avoir la migraine, parce que là j'ai mal à la tête, mais en fait j'ai mal que par là, donc souvent c'est mauvais signe, sachant qu'hier j'ai eu la migraine et en fait j'avais mal tout ce côté là, donc j'ai pris mon médicament en spray nasal, donc quand c'est comme ça je le mets du côté où j'ai mal en fait, puisque souvent la migraine ça vous prend d'un côté ou de l'autre, bref hier je l'ai mis de ce côté là, donc là j'ai pas mal à la tête de ce côté là mais j'ai mal par là, bref. C'est très compliqué la migraine, mais Mathieu sait de quoi je parle. Oui, tout à fait. Voilà, donc du coup, on va manger, mon médicament est là, et si ça, ça va pas, et ben, je prendrai l'autre, parce que pour le coup, je peux prendre mon autre médicament, et celui-là, c'est pas dérangeant. Donc, on va voir ce que ça donne, et faudrait que je mette mes lunettes aussi, à l'occasion. Tout à l'heure, je les avais, je sais pas où je les ai posées. Ah bah, ils sont là. Mais comme on faisait la déco avec Gabi, j'avais enlevé ma Minerve et les lunettes. Mais là, pour manger, je vais enlever la Minerve, mais je vais garder les lunettes. Voilà. Allez, bon appétit. Oh là là, la dégaine quoi. Franchement, je suis vraiment pas la plus attirante des femmes hein, comme ça. Non mais en fait, ce que t'as toujours pas compris, ce qui m'attire chez toi, ce n'est pas que ton physique. J'aime ta personne. Bah là, c'est vraiment moche. Bon, quelle heure il est? Ah, il est 10h quand même du soir. Tout va bien. Du coup, c'est soirée tranquille. J'ai enlevé ma Minerve quand même. Vas-y. Moi et Gabi, on est en train de jouer aux Sims, comme c'était dit, voilà, on est en tête à tête. Les filles sont juste là, elles sont en train de jouer au Mastermind. Qui gagne alors? Moi. C'est trop forte, hein. Parce que Romain a sorti les petits M&M's, on a sorti les petits trucs comme ça, les petits hamburgers. Je lui ai fait un difficile, c'était orange, jaune, orange. Non, c'était plus compliqué. C'était jaune, jaune. Orange, jaune. Et t'as trouvé? Oui. Trop forte. Et trop du coup, Mathieu, il est sur le canapé, il est en train de jouer à son jeu. Et Roxane est en train de l'embêter. Voilà, tout va bien. Elle est en train de lui faire des guillus ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'est assez calme à la maison. Donc, on en profite. On rigole. On se retrouvera tout à l'heure. Bonjour, Monsieur Hibou. Bon, il est l'heure de la clôture du vlog. Bon, il est pas très tard là, il est 22h20. Les filles sont même pas encore couchées. Gabi est toujours en train de jouer. Roxane est en train de dessiner à côté d'elle. Et Romane et Sarah sont en train de regarder Pokémon sur Netflix. Voilà, donc une soirée tranquille, comme je vous disais. Puis bon, c'est les vacances, donc du coup, on les laisse profiter. Ça les empêche pas de faire leurs devoirs quand ils ont besoin d'un coup de main, nous donner un coup de main. Donc, Tout à l'heure, Romane, elle a un livre à lire pendant les vacances. Là, elle a lu les 20 premières pages. Donc du coup, elles font vraiment. Les choses correctement, elles nous aident, comme tu as dit, elles font leurs devoirs, elles se chamaillent vite fait. Hein. Comme tous les enfants, ça dure deux secondes, quoi, mais franchement, rien de dramatique. Elles sont agréables à la maison. Quand on leur demande d'aller se coucher le soir, elles vont se coucher. Enfin, voilà. Franchement, on n'a rien à dire. Donc, du coup, c'est vrai que quand ça se passe très, très bien comme ça, ben, nous, ça se passe très, très bien et on est plutôt très, très cool. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Donc, du coup, là, le temps qu'on monte le vlog, on les laisse encore un petit peu. Et puis vers 11h, 11h15, tout le monde au dodo. C'est et ça. Puis demain sera une nouvelle journée. Voilà. Exactement. Donc, comme vous l'avez compris, du coup, on va clôturer, on va monter le vlog. On espère que ce vlog un petit peu bricolage et démonstration un peu de ce que Mathieu peut faire à la maison vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis de liker et de commenter aussi. Voilà, on vous embrasse très très fort et je sais pas si je vous dis à demain puisqu'on va faire un peu au jour le jour les vlogs. Je pense que je vais vlogger mais on sait jamais, comme demain je sais qu'on n'a rien de particulier de prévu. Oui, si on va peut-être faire à l'aquarium etc.
Voilà. On verra, franchement, je sais pas. On va voir. Donc, nous aussi, c'est un peu au jour le jour. Oui, c'est les vacances, donc c'est au jour le jour. On verra bien, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vlog, c'est juste qu'on n'a rien fait de particulier. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit en début de vlog, j'ai quand même pas une santé ultra extraordinaire. Oui, t'as pas une santé de fer, c'est voilà, ça. Donc du coup, j'y vais mollo quand même aussi. Je vais pas aller m'esquinter à la tâche, juste entre guillemets, pour des vlogs. Ma santé d'abord et les vlogs après. Voilà. Oui, tout à fait. Donc nous, on va vous dire à demain ou à la prochaine. Voilà, on vous embrasse très très fort et merci d'avoir été au rendez-vous pour regarder ce vlog. Ciao les amis !